5 idées reçues sur votre réfrigérateur et votre surgélateur. Le No Frost est la solution pour ne plus dégivrer. Eh bien, c'est vrai, j'aime à le répéter, le No Frost, ou littéralement pas de gel, évite de dégivrer votre surgélateur et votre réfrigérateur. Je dois vider le bac de condensation derrière mon frigo. Faux, pas besoin de le faire, l'eau dans le bac de condensation derrière le frigo s'évapore toute seule, rien à faire. La température de la pièce influence le fonctionnement de mon surgélateur ou de mon réfrigérateur. C'est vrai, c'est très très important, on appelle ça la classe climatique. Vérifiez bien la pièce dans laquelle vous mettez votre appareil de froid. Vérifiez bien, pas trop froid, pas trop chaud, ça influence son fonctionnement. Je peux conserver plus d'un an de la viande dans mon surgélateur. C'est faux, à moins que vous la mettiez sous vide. La viande, le poisson, les charcuteries dans le surgélateur, c'est maximum 6 à 7 mois. Petit truc, mettez la date sur vos papiers de surgélation. Mon surgélateur ou réfrigérateur doit reposer avant d'être transporté. Alors c'est vrai, tout appareil de froid qui est transporté doit se reposer avant d'être transporté et après. S'il est transporté couché, repos 24 heures. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager sur vos réseaux sociaux un maximum et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !